de Albertine Meiriter hier au Itrei, Apetei Flores, Chantal Bigot, Frida Faura, Manina Flores et Marina Yotua. Il y a encore ce drapeau noir hein, qui se lève. Hein. Alors, ce que je remarque, c'est que cette finale, eh bien, certaines de nos équipes ont été placées plus au large, dans les couloirs 6-7. Nous allons tout, tandis que Ruahatu est au couloir numéro 2 en rose. Ruahatu qui prend les devants de ce départ. Donc 500 mètres à parcourir. Tramehuma, Farivahia Tatato, Huerav Anatmo, Veine, Matuato, Pe'ahurumateiti. Ruahatu, Ite Priaro, Tarona, Ratotra et Matarara, Muoroa. Allez, on espère tous une médaille. Hein? T'as fait une médaille au moins pour ces vétérans, cette catégorie vétérans. En tout cas, face à elles, elles ont les Hawaïennes, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, le Canada et l'Australie. Donc, toutes les nations sont représentées dans cette finale. C'est ça. Les vétérans d'âme. Une catégorie assez dure hein, pour notre délégation à aller chercher cette médaille, justement, cette médaille d'or. Là, on peut le voir que Ruahatu, si je ne me trompe pas, avec l'équipe de Hawaï, mène. Hein? Alors, quand Ruahatu pousse, c'est bien derrière, combat. Ça répond. Ouais, beau combat. Les Hawaïennes répondent à chaque fois que Ruahatu pousse. Olivier. Allez. Eh oui, on arrive dans les 200 derniers mètres. Les 200 derniers mètres avec Ruahatu qui est au couloir numéro 2. Reconnaissable bien sûr avec les maillots roses. La lutte est terrible avec les Hawaïennes au couloir numéro 1. Les Américaines au couloir numéro 3. Les Néo-Zélandaises de Parina Aka au couloir numéro 4. Rien n'est fait, il reste 150 mètres. Il faut aller chercher une médaille. Attention, couloir numéro 4 avec les Néo-Zélandaises. Ruahatu va-t-elle, l'équipage va-t-il réussir à pousser jusqu'à la fin? Attention. Il reste une centaine de mètres. Ça continue à accélérer au milieu de peloton et également au couloir numéro 1 avec les Hawaïennes de Alani Kanoe Club. Peut-être qu'ils vont se diriger vers la victoire. La médaille d'or peut-être pour Hawaï. Ça devient difficile pour Ruahatu. Est-ce que les filles en rose vont aller chercher un podium? C'est toute la question dans ces 50 derniers mètres. L'équipe de Hawaï peut-être pour la médaille d'or. La Nouvelle-Zélande au couloir 4. Ruahatu peut-être pour une médaille. Les Hawaïennes sont champions du monde. Place pour la Nouvelle-Zélande. Troisième, quatrième place pour Ruahatu. Ah. Oh là 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 là, au pied du podium, me semble-t-il, l'équipage de Ruahatu qui prend malheureusement une quatrième place. Vaitiare, Johan, on n'est pas passé loin. Ouais, pas si loin de cette médaille de bronze, mais voilà, c'est. On était bien partis et bah, ils n'ont pas démérité. Hein. Après, il faut dire que c'est une finale et voilà, c'est ouvert à tout le monde.